Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va faire une série de cartes, comme vous le savez déjà. J'ai fait une autre vidéo il y a environ un peu plus d'une semaine sur une carte colorée avec des petits papillons. Et cette carte, je vous l'ai mis dans le petit i. Et donc maintenant, c'est parti. On va faire un tuto comment avoir la bonne grandeur de carte. Donc premièrement, il faut choisir la bonne enveloppe. C'est l'enveloppe que vous pouvez choisir. Ensuite, vous prenez une carte blanche, un papier blanc, et vous le mettez l'enveloppe par-dessus. Ensuite, vous enlevez une petite coche et vous voyez quelle grandeur ça donne. Vous pouvez prendre n'importe quel outil pour pouvoir découper le carton, que ce soit des ciseaux ou scalpel un peu moins pratique, mais vous découpez à la bonne grandeur. Ensuite, vous calculez quelle est sa largeur et vous la multipliez par deux et faites une petite ligne. Moi, ça m'avait donné 28 cm. Ensuite, vous la pliez en deux et ça vous donne la bonne grandeur de carte. Si par hasard ça fait des petits plis, eh bien, vous pouvez la découper encore une fois et ça va vous donner la bonne grandeur. Maintenant, vous pouvez vous abonner, bien sûr, mettre la petite cloche de notification. Et pour finir, vous pouvez mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Elle était certes très courte, mais c'était juste pour vous montrer comment avoir la bonne grandeur de carte. Et donc, voilà! Moi, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye, ciao!